c'est développer chez nous. Moi, je suis convaincu, entre Satan et le péché, l'ennemi le plus redoutable de chrétiens, c'est le péché. Parce que le diable n'a pas de pouvoir s'il ne trouve pas d'accès. Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable, ne donnez pas l'accès. Le diable n'a pas de pouvoir sans accès. Amen. Et la seule chose qui peut nous permettre à ce que nous ne puissions pas donner l'accès au diable, c'est connaître Jésus. Parce que Jésus lui-même, le diable l'a visité, il n'a pas pu avoir d'accès parce qu'il était lui-même la connaissance. Quand Satan a apparu, Satan n'avait pas obligé à Adam et Ève de manger ce fruit. Alléluia. La mort a existé avant le péché. Amen. Maintenant, mon souci, c'est quoi ici? Quand je dis que c'est parce que beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu perdent le salut lorsque le diable touche certaines choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Je donne l'exemple. L'argent n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Le miracle de Dieu. Oui ou non? Si le diable comprend ma faiblesse, ce sont les femmes. Le diable utilisera les femmes pour me détruire. Parce que le diable ne peut pas utiliser ta force pour te détruire. Il va utiliser ta faiblesse pour te détruire. Amen. Or, Jésus n'est pas une faiblesse pour nous. Jésus pour nous, c'est une force. Christ est en nous. La Bible dit, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est avec Dieu. Tu ne peux pas passer ton temps à connaître Satan sans pour autant tu n'es Jésus. Il va te détruire. Hein? Le fils de Séva, il n'avait pas Jésus. Mais ils se sont mis à chasser sa patrie. Vous connaissez la suite, non? En chassant. Je vous donne un autre exemple. Gédéon, par exemple, lorsqu'il devait détruire l'autel que son père avait bâti. Mais le premier problème de Gédéon n'était pas l'autel. Moi, je doute. Le premier problème de Gédéon, c'était d'abord écouter Dieu. Si tu ne sais pas identifier la voix de Dieu, tu ne sauras pas aussi découvrir ce qui te détruit. Lorsque Dieu appelait Samuel, il allait répondre chez quelqu'un d'autre. D'où il ne connaissait pas de commencer à chasser les démons. Très dangereux. Il faut d'abord établir une bonne communication avec Dieu. Alors, il te montre, parce que beaucoup de gens écoutent Dieu, mais ils vont répondre ailleurs, parce qu'ils ne savent pas identifier la voix de Dieu. D'où tu dois connaître Dieu. C'est Dieu qui t'amènera vers l'autel, si ça existe. C'est Dieu, c'est Jésus qui t'amènera vers le pacte de l'alliance, si ça existe, c'est Jésus. C'est Jésus qui t'amènera comme Pierre, avance encore, avance de la profondeur, jette le filet, c'est Jésus. Là où tu as échoué, si c'était un problème de pacte, des alliances, c'est-à-dire au même endroit, si Jésus apparaît et il prend réellement sa place et tu l'écoutes, tu l'identifies, alors au même endroit où tu n'as pas pu avoir les pêches, les poissons, c'est au même endroit que l'Éternel te donnera la victoire, au même endroit. Donc, il faut connaître Jésus. Un véritable gagnant ne passe pas son temps à lire, il passe son temps à s'entraîner. Hein? Il faut se préparer. Il faut se rassurer que je suis équipé. Tu veux vaincre l'ennemi avec quoi? Or, la Bible dit qu'il rôde, quand on dit il rôde comme un lion, c'est-à-dire il est équipé. Faites attention. Il rôde comme un homme. C'est Dieu qui a créé les animaux, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu n'a pas dit il rôde comme une chèvre? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas dit il rôde comme une poule? Parce que ce sont des animaux qui peuvent rien, qui peuvent pas, même pas te mordre. Pourquoi Dieu n'a pas dit il rôde comme une mouche? Mais Dieu le regarde, il nous informe, il nous avertit, faites attention, il rôde comme un lion. C'est qu'il est armé.
D'accord? Et c'est important que nous puissions connaître Jésus. Il nous amènera vers nos problèmes. D'accord? Il faut passer le temps à connaître Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous voulons le faire. Et maintenant, ici, on pense à Jésus-Christ. N'appelle Samuel Muamba. Oui, mais des fois, tu as l'exemple sans les voix. Oui, puis. 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 Oui, d'accord. Quand il a écouté Dieu, Dieu maintenant lui dit, il y a un hôtel. Là maintenant, tu n'écoutes, tu n'as pas encore la sensibilité spirituelle d'écoute. Mais tu es dans le combat avec les biceps, tu n'as rien. Tu vas mourir. D'accord? Bon, tu veux détruire les alliances sataniques. Qui connaît l'alliance de sa famille? L'alliance Molini, qui les connaît? Qui était là lorsque ces alliances se faisaient? Vous pensez que le diable va venir te découvrir que le diable lui-même viendra te révéler le sorcier de ta famille? Jamais. La seule personne qui révélera le problème, c'est Jésus. Mais quel est l'état de votre relation avec Jésus? C'est ça mon souci. Pourquoi? Parce que dès lors que je viens à l'église, moi, quand je viens à l'église, vous me connaissez marié, mais j'ai aussi à côté une autre relation informelle. Dès lors que je vis comme ça, bien aimé, faites attention. S'il y a des hôtels, ces hôtels auront de l'impact de ma vie. Mais dès lors, je vis avec une seule femme mariée, par exemple, et qu'il y a des hôtels dans ma vie, j'ai une bonne relation avec Jésus. J'ai de l'avantage devant cet hôtel, si ça existe. J'ai posé à quelqu'un une question. Bateau non sur ma balle, ma femme m'a déjà dit. Bateau non sur moi, ma suis ça, ma femme m'a déjà dit. Pourquoi il disait que ça? Exactement. Bateau non sur moi, non sur ma porte, ma femme m'a pas. Ma mini m'a déjà dit. Et attendez. Bon, là, il y a la Bible. Bien aimé. La famille à David. Bateau, c'est ma femme. Mon père dit l'histoire à David. Sont émis Rab a été prostitué. Mais Mathieu n'a qu'à sa ligne à David. Malgré prostitution, il y a un sang d'aponie. N'a famille à Rab, roi d'Iman. Oui ou non? Connaître Dieu, c'est plus important que de connaître l'ennemi de l'église. Parce que pour moi, l'ennemi de l'église, c'est même pas Satan, c'est le péché. C'est le péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible n'a pas dit le salaire de Satan. C'est du péché. Si tu arrives à vaincre le péché, tu vas vaincre Satan. Si le diable n'a pas pu vaincre Jésus, c'est parce que Jésus n'avait pas commis de péché.